Salut les potos et j'espère que vous allez bien et on se retrouve de nouveau aujourd'hui pour la vidéo traditionnelle du vendredi où Xur, on va voir ensemble sa localisation ainsi que son inventaire. Et pour commencer, Xur se trouve sur la ZME au niveau de la crique sinueuse juste ici. Alors ce week-end, il va nous vendre comme arme exotique la goule trinitaire. Un arc vraiment, vraiment très bon pour le démobage, donc n'hésitez pas à le prendre. D'ailleurs, je suis peut-être en train de faire un build autour de cet arc. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Ensuite, on a la veste de Guishin pour le chasseur avec un total de 64, un plus 17 de force, un plus 14 de mobilité et un plus 15 de résistance. Bon, très clairement, cet exotique n'est pas méta du tout avec le chasseur. Disparaissez après des frags à l'aide de l'âme spectrale pour obtenir plus d'énergie de super. Pourquoi pas pour le PVP, je pense. Ensuite, pour le titan, on va avoir le masque du borgne. Là, par contre, aussi un très bon exotique à utiliser en PVP. Marquez les ennemis qui vous blessent et éliminez-les pour obtenir un surbouclier. On a un total de 66 avec plus 17 de force et plus 19 de mobilité. Là, par contre, au niveau des stats, on n'a vraiment pas quelque chose d'intéressant. Pour l'arcaniste, on va avoir le casque voile d'apothéose. Là, si on est sur un casque, pas vraiment méta non plus. Invoquez le super, recharge vos capacités, confère de l'énergie à vos alliés. On a par contre un total de 65 avec un plus 20 d'intelligence et un plus 18 de récupération. Là, par contre, au niveau des stats, on est plutôt pas mal. Allez, on regarde au niveau des armes exotiques et on va avoir un récit d'un homme mort avec cible mouvante. Pourquoi pas, pas vraiment ce qu'on cherche. Et rapace noir avec œil de tempête. Là, on passe. On a ensuite, au niveau des armes légendaires, un véritable prophétie avec débordement et charge explosive. Là, on est par contre sur un bon rôle PVE, c'est pas mal. Ensuite, on va avoir le refus catégorique, le fusil impulsion avec moment zen et fier à bras. Moment zen a eu un gros buff, donc c'est plutôt intéressant. On a ensuite les larmes de contrition avec équilibre âme vorpale, on passe. Le code d'allumage, un lance-grenade très très bon, l'un des meilleurs lance-grenades spéciales du jeu. Malheureusement, il ne nous est pas vendu avec les paires qu'on veut, puisqu'il peut avoir ici les grenades aveuglantes. Là, il ne les a pas, donc on passe. On a ensuite le CQC-12, le pompe, plutôt intéressant pour le PVP. Par contre, au niveau des stats, quoique visée rapide, holster de recharge auto, je pense qu'on est sur quelque chose de plutôt intéressant. Encore une fois, vous le savez, moi, je ne suis pas PVP, donc au niveau des rôles PVP, je m'y intéresse pas tellement. Ensuite, on va avoir l'ire de corsaire, un fusil à fusion linéaire avec hors-la-loi et chargeur mortel. Pourquoi pas, là encore, on a des perks plutôt intéressantes. C'est plutôt pas mal. Et ensuite, l'âme de l'éternité, on passe, bien sûr. Allez, passons aux armures légendaires. Et pour l'arcaniste, on va avoir des gants à 59, un torse à 58, un casque à 63 et des jambes à 59. Là, franchement, même si on a un total de 59, les jambes sont plutôt pas mal. Là, le 63, le casque est un petit peu trop équilibré. Au niveau du torse, là, par contre, 58, c'est pas terrible. La force, en plus, et la mobilité pour l'arcaniste, on s'en fout un peu. Et puis, les gants, c'est pas top du tout. Allez, regardons un petit peu au niveau des autres classes. Et on va avoir, pour le chasseur, des gants à 55, un torse à 58, un casque à 64 et les jambes à 62. Alors là, par contre, les jambes, on est sur quelque chose de plutôt intéressant. Le plus 25 de résistance fait plaisir. On a plus 12 d'intelligence, plus 15 de force, pourquoi pas. On regarde au niveau ensuite du titan, une fois que ça sera chargé, bien sûr. Alors, on va avoir des gants à 58. On a un total de 60 pour le torse, un casque à 61 et des jambes à 60. Bon, les jambes ici, pourquoi pas. Le plus 24 d'intelligence, c'est plutôt pas mal. Le reste, c'est bof. Au niveau du casque, la mobilité, on s'en fout. Au niveau du torse, c'est équilibré. Et au niveau des bras, mobilité aussi. Bon, ici, pour le titan, franchement, on n'a rien de super intéressant. Même les jambes, total de 60, c'est pas terrible du tout. Écoutez, voilà les potos. Je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. N'oubliez pas de prendre, par contre, la goutte trinitaire. Vraiment, là, on est sur quelque chose à prendre si vous ne l'avez pas. Je vous remercie et vous dis un bon week-end. Allez, bye bye.